Club, l'émission des supporters des Verts en partenariat avec Active, présentée par Keun. Allez, bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du Synthé Night Club, le numéro 65, que j'ai nommé l'humiliation de trop. Vous me direz si vous êtes d'accord avec ce titre. Au programme ce soir, débrief de ce qui s'est passé ce week-end, parce que je sais pas si vous êtes au courant, mais il y a eu quelque chose d'assez important dans l'histoire de notre club qui s'est passé ce week-end, une belle petite défaite à domicile. Donc on va essayer de comprendre comment on a pu aboutir à la plus large défaite de l'histoire du club à domicile. On parlera bien sûr du prochain match contre Valenciennes. Et puis on se fera une grosse partie mercato avec Clem, puisqu'il va bientôt fermer ses portes, hein, le mercato. D'ici 8 jours c'est terminé. Donc on va faire un gros point mercato, ça va prendre bien 25 minutes je pense ce soir. Et pour m'accompagner ce soir, quelqu'un qui attendait impatiemment les premiers pas du petit Bouchoirie avec un maillot vert. Malheureusement, le contexte n'était pas totalement idéal. Bonsoir, Sylvain. Bonsoir à tous, bonsoir. Ravi de faire ma rentrée sur ce magnifique résultat. Ah oui, c'est vrai que c'est ta première de la saison, là. Exactement, Eric était déjà venu, mais pour moi, c'est la première. Je suis ravi, vraiment, de venir débriefer tout ça. Mais bon, il y a de la matière, il y a quand même beaucoup de choses à dire. Bah, c'est ça, c'est peut-être pas des choses très réjouissantes, mais il y a beaucoup de choses à dire, en tout cas, ça c'est sûr. Avec nous également, le chroniqueur avec qui, je pense, j'ai fait le plus d'émissions du Synthé Night Club, et malheureusement, tous les deux, notre duo ne fonctionne pas très bien, puisqu'on n'a pas débriefé beaucoup de victoires. Bonsoir, Alex. Salut, écoute, bonsoir à tous, moi aussi, ma première, et... Bon, finalement, pas ravi du résultat, mais assez ravi de débriefer ça parce qu'il y a des choses à dire et on est à un moment hyper charnière déjà de la saison, donc intéressant. Ça va être intéressant. Et puis avec nous également, pour nous accompagner au chat, nous avons Carlusso qui est avec nous. Et en plus de nous accompagner au chat, je rectifie ce que je viens de dire, ce n'est pas Clem qui fera le gros point mercato avec nous, c'est bien Carlusso qui fera le point mercato parce que Clem n'est pas dispo. Bonsoir Karl. Oui, bonsoir Keun, bonsoir tout le monde. Oui, aujourd'hui j'ai la double fonction, Clem sera là pour la semaine prochaine, mais cette semaine ce sera moi qui vais assurer ce mercato qui s'agite un petit peu. Voilà, bonne émission à tous. Ça va? Un peu déprimé. Ouais, tu veux en parler? Non, ça ira. Ok, bon, on va en parler quand même. Allez, c'est parti, débrief du match contre le Havre. Active Synthé Night Club, le débrief. Alors messieurs, c'est pas spécialement moi qui ai fait le programme de la soirée, mais j'ai vu qu'en petit A du programme de la soirée, on avait mis top et flop. Est-ce qu'on se contenterait pas de faire les flops? Ça ira plus vite, non? Ouais, ça ira plus vite, même si au milieu de tout ça, on pourrait peut-être sortir juste un seul Stéphanois. Mais bon, allez, ouais. Et ben tu sais quoi, si t'as un Stéphanois à sortir, vas-y, je t'écoute, donne-le nous. Il y en a déjà trois qui sont sortis, Alex, dans le match. Donc, si quatre, d'Acosta aussi. On arrête le match. Ouais, c'est vrai. Non, mais à la limite, si je dois en sortir qu'un qui a tenté, qui a essayé de faire des choses, hormis le petit Bouchoirie qui m'a fait une belle petite impression, mais il est rentré 20 minutes, c'était son premier match, il avait à cœur de bien faire, même dans un contexte tout pourri. J'ai trouvé que Lobry avait joué son rôle, avait fait ce qu'il avait pu, monte en puissance. Est un joueur intéressant en Ligue 2, en tout cas, et qui devrait nous faire du bien cette saison. Il m'a semblé extrêmement lucide et surtout beaucoup moins nerveux que beaucoup de ses coéquipiers. Et au-delà de ça, en plus, c'est le seul qui a eu le courage d'assumer et de se présenter en zone mixte après le match pour venir lâcher quelques mots aux journalistes présents. Donc, au-delà de la bonne presta, c'est un joueur qui assume, qui a pas peur de venir au devant de la tempête. Et je pense que dans cet effectif, il y en a pas beaucoup comme ça. Tu fais bien de le préciser, c'est très important ça, c'est que pour se soigner et pour penser nos blessures, on va certes avoir besoin de mieux jouer au football, mais on va avoir besoin de changer d'état d'esprit. On a besoin de ce genre de joueur qui a l'air d'afficher une
un peu plus de sérénité que ses partenaires. Donc on est tous les deux d'accord sur l'Aubry. Est-ce que dans le chat vous pouvez nous balancer vos tops aussi si vous en avez. Et puis si on devait retenir un flop, allez, on va essayer de se focaliser sur un flop pour l'instant. Alex, tu nous dirais qui ? Oh, s'il y avait un flop à ressortir, moi, je Briançon m'a un peu exaspéré et c'est dans la droite lignée de ce qu'il propose depuis qu'il a signé à Saint-Étienne. Ça m'inquiète un petit peu que notre capitaine propose cet état d'esprit-là et ce manque de maîtrise et de ses nerfs et de maîtrise même sportivement. Hein. C'est pas fameux. Hein. Ouais, Sylvain, alors, t'es d'accord ? En partie d'accord. Après, des flops, franchement, en choisir un, ce serait difficile. Ce serait faire insulte aux autres. Ouais, exactement. Et puis, j'ai mis un peu des réserves par rapport à Briançon. Pourquoi ? Parce qu'on sait qu'il a été blessé, il a été arrêté pendant 10 jours, il s'est entraîné quelques jours. Ça se voyait qu'il n'avait pas les jambes, il était en retard sur toutes ses interventions. Moi, j'avoue que j'ai beaucoup plus de mal avec son compère de la défense. Si vraiment fallait en citer un. Moi, j'ai une question à vous poser, messieurs. C'est selon vous, et même d'ailleurs au chat, quelle est la première qualité que doit avoir un défenseur ? Selon vous, quelle est la première qualité que doit avoir un défenseur ? Ah, s'il fallait retenir une seule qualité pour un défenseur, ce serait déjà. Je sais pas, la qualité, l'anticipation, la maîtrise de ses nerfs, je sais pas. Dans le chat, ça dit défendre, déjà. La sérénité, oui, défendre, mais c'est large, défendre. Ouais. Sa première qualité, c'est déjà garder son sang-froid, quoi, tout simplement. Moi, en un mot, pour un défenseur, je dirais que la plus grande qualité, ce serait le placement. D'accord. Pour moi, c'est le duel. Pour moi, la qualité première qu'un joueur doit avoir, c'est de gagner un défenseur, c'est de gagner ses duels, que ce soit dans le domaine aérien, que ce soit dans le domaine, enfin, au sol. Je veux dire, pour moi, la qualité la plus importante, c'est de gagner ses duels. Je lis agressivité positive dans le chat, c'est exactement ça. Pour moi, un défenseur, avant tout, il doit savoir défendre et il doit aimer défendre. Ce que, à mon avis, Briançon a plus que Giraudon. Moi, j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il y a un duel avec Giraudon, soit il se fait prendre de vitesse, soit il se fait prendre dans le dos. Il est intéressant quand il relance et quand il anticipe. Pour le reste, waouh, comme c'est difficile. Dans ce cas-là, il faut qu'il joue milieu défensif. Hein. Ouais, s'il après. Il est intéressant quand il relance. Et... Ouais, non, mais... Après, à sa décharge, il a été recruté pour jouer dans une défense à 3, dans un poste d'axial où potentiellement il aurait plus de temps, il aurait moins de duels puisque ce serait ses deux compères d'axial gauche et axial droit qui iraient justement. Au charbon pour gagner les duels, mais aujourd'hui à deux, Giraudon, c'est pas possible. Honnêtement, jouer dans une défense à deux ou à quatre, c'est pas possible avec Giraudon. Aujourd'hui, c'est impossible pour moi. En plus, il est d'une lenteur extrême. Il n'y a pas de plus-value avec Giraudon au regard de ce qu'on a vu avec Colo Dejac l'année dernière. Hein. Pour moi, il n'y a pas de plus-value avec Giraudon. Je sais pas, c'est pas tellement les mêmes joueurs, mais après, il a joué 4 matchs, c'est pas évident, le contexte est pas simple. Aujourd'hui, on nous a vendu une défense meilleure en 4 matchs, messieurs. On a pris 10 buts. Hein. Ouais. Non, le compte n'y est pas. Hein. Donc, même allez. 11 buts. Je dis en gros, donc, si je vous écoute, en top, si on devait en sortir un, ce serait plutôt l'Aubry. D'ailleurs, je vais vous poser une question vis-à-vis du Capitana aussi. Peut-être que sur ce qu'on a vu depuis ce début de saison, est-ce que vous ne pensez pas que le Capitana devrait peut-être revenir sur l'épaule de l'Aubry plutôt que de Briançon qui a été un peu blessé, qui a été expulsé ? Celui qui, pour l'instant, est le plus stable. Alors, certes, on n'a pas joué beaucoup de matchs, hein, c'est peut-être trop tôt pour le dire, mais c'est peut-être l'Aubry. Qu'est-ce que vous en pensez de ça ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Maintenant, moi, je ne connais pas l'Aubry dans le vestiaire. Je ne sais pas comment il se comporte. Je ne sais pas... Voilà, on sait, par exemple, à l'époque, un gars comme Amouma qui a eu porté le brassard n'était pas forcément un joueur qui exprimait beaucoup, qui allait vers les autres, qui était rassembleur. Mais l'Aubry, en tout cas, est dans la bonne attitude. Et il pourrait en effet être légitime à porter le brassard aujourd'hui. Je trouve que c'est lourd là, c'est lourd pour en effet, mais tu as raison Sylvain de le rappeler,
Briançon qui revient d'une longue blessure l'année dernière, qui revenait de blessure ce samedi, qui n'est pas affûté physiquement, c'est une évidence, C'est certain. à qui on donne le brassard. Je trouve que c'est beaucoup, beaucoup de responsabilité pour un gars qui a montré de la nervosité depuis sa première intervention à Dijon à la 3e minute de jeu, où il n'est pas loin de découper déjà un Dijonnais. Hein. C'est certain. Après, je pense quand même qu'à terme, Briançon sera plus intéressant et on sera moins sévère avec lui, je pense vraiment à terme. Ouais. Moi, je demande quand même à le revoir. C'est un joueur quand même qui a une certaine agressivité. Alors pour le moment, elle est négative parce qu'il fait beaucoup de fautes, parce qu'il a toujours ce petit temps de retard qui fait que. Mais quand il sera un peu plus affûté, s'il arrive à enchaîner les matchs, je pense que la donne va changer par rapport à ça. Et il a quand même quelque chose que j'aime bien, c'est qu'il a une certaine âme de leader. Moi, quand je vois un garçon qui prend carton rouge, qui est dans tous ses états, alors certes, il y a de la nervosité, mais il y a aussi une entièreté et une volonté de bien faire qu'il faut pas négliger, à mon Oui, avis. Et sa pour ce... réaction, elle est quand même ultra Elle est sincère, hein, entière, sur le ouais, carton rouge. voilà. Voilà, et j'ai cru lire dans le Progrès, je crois, ou je sais plus où, qu'il a présenté ses excuses au groupe par rapport à son expulsion. C'est aussi avec des garçons, on va probablement venir à parler de l'état d'esprit, mais c'est aussi avec des garçons comme ça que probablement les choses vont changer. Donc c'est pour ça que moi, j'ai pas envie d'enfoncer Briançon. Voilà. Ouais. Voilà, tout simplement. Alors, messieurs, j'en profite pour saluer les personnes qui nous rejoignent sur le chat. Je vois que plusieurs personnes nous regardent ou parlent dans le chat pour la première fois. Bienvenue. C'est pas forcément la période la plus joyeuse, mais on va se soutenir mutuellement. Qu'est-ce qui ressort, Karl, dans le chat pour les tops et les flops, un petit peu? Bon, du côté des flops, il y a un nom qui revient majoritairement, c'est Victor Lebris, évidemment, vous l'avez tous les deux évoqué. Il y a aussi Bouchouari. On croit savoir dans le chat que c'est peut-être le bon coup du mercato du côté de Saint-Étienne. Et puis sinon, j'ai vu quelqu'un qui avait trouvé l'entrée de Pintor plutôt honnête, enfin la première titularisation de Pintor plutôt honnête. C'était pas si mal, après difficile de mettre dans les flops quand même. Et sinon, du côté des flops, pardon, j'ai dit top, Oui, bref. mais on a Oui, je me compris, suis t'inquiète. trompé. Et pour sinon, pour les flops, il y a un nom qui revient, et c'est Sylvain qui l'a évoqué aussi, c'est Giraudon. Je vois des Giraudons de partout. Je vois aussi Flop Green, un kamikaze qui garde peu ses nerfs. Sébastien qui nous dit Flop, la défense complète, on est nul. ASS Forever qui nous dit le plus gros flop, c'est l'arbitre et la défense centrale. Après, il y a Albert Pilla qui va un peu plus loin, qui nous dit le gros flop, c'est notre côté droit. À 11 contre 11, toutes les attaques dangereuses sont venues de ce côté-là. Tout à fait. Et sinon, j'ai quelqu'un qui est moins catégorique sur Giraudon et qui nous dit il est peut-être meilleur dans une défense à 3 parce que c'est dans le système dans lequel il jouait avec Batless C'est certain. à 3. C'est certain. Mais il y a Patrice qui dit quelque chose, et je sais que Sylvain est d'accord parce qu'il l'a évoqué juste avant l'émission. C'est Giraudon, ok, il est à côté, mais les deux latéraux, Silva et Palencia, sont en dessous de tout, et Masson n'est pas mieux, on joue sans latéraux. Voilà. Ouais, mais ça fait un moment hein, qu'il y a un problème de latéraux. Mais par contre, dans ce que tu as fait remonter du chat, y a un sujet qu'il faut quand même qu'on aborde. On va pas passer 1 heure à parler d'arbitrage, hein, les amis, parce que ce serait pas forcément productif. Déjà, on va pas passer 1 heure à parler du match, on va aussi parler du mercato. Mais il faut qu'on en parle. Comment on peut l'expliquer cette humiliation? Est-ce que c'est la faute de l'arbitrage exclusivement? Le fait d'avoir expulsé les Stéphanois de manière très sévère a complètement faussé le scénario et donc le score du match? Ou est-ce que de toute manière, avec cet état d'esprit, on n'aurait pas pu ramener un meilleur résultat? Qu'est-ce que vous en pensez? Quelle part vous réservez au mauvais arbitrage? Parce que je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'était pas un très bon arbitrage, mais quelle part vous lui réservez dans la débâcle de samedi? Alors, Vas-y, tu veux y aller, Sylvain. Alex, je t'en prie. En fait, moi, ma frustration par rapport à ça, elle vient déjà de la décision à Quevilly. C'est-à-dire que à Quevilly, bon, il y a 2-2, tout le monde voit le match comme il se passe. On a 30 minutes qui sont extrêmement difficiles. On arrive à revenir dans ce match en marquant 2 buts juste avant la mi-temps. Et en fait, ce match-là, il peut être
Il peut être véritablement fondateur pour la suite de la saison et peut créer ce déclic qu'on est. Enfin, on est à la recherche d'un déclic, on est à la recherche d'une victoire, quelle qu'elle soit, tirée par les cheveux, peu importe, mais qui va faire du bien à ce groupe et qui va enfin donner un bol d'air. Alors, pardon, je te coupe, mais juste pendant le match, moi, je ne pouvais pas voir le match et je me souviens vous avoir envoyé un message sur notre conv groupé à la mi-temps de si on arrive à gagner à 9 contre 11, c'est peut-être le match fondateur de la saison qui va souder tout le groupe. Exact, malheureusement ça s'est pas passé comme ça. Mais juste pour terminer mon argumentaire, ouais, donc, il y a 2-2, il y a cette deuxième mi-temps, on est quand même, on a du mal à mettre en difficulté Quevilly et arrive ce fait de jeu, donc l'expulsion de Nadé, on est tous conscients que l'expulsion n'a pas lieu d'être, d'accord ? Se passe la semaine, évidemment, la commission de discipline décide de blanchir Nadé puisqu'il n'y avait absolument pas faute. Au-delà du carton rouge, il n'y avait absolument pas faute. Et quand tu sors d'une semaine où justement tu es victime d'une erreur arbitrale le week-end d'avant, a priori, si... s'il y a un peu de bon sens parmi tout ça, si quelque part on a aussi une équipe dirigeante qui est capable un peu d'aller chatouiller en disant bon bah voilà, on s'est déjà fait un petit peu avoir à Quevilly, peut-être que ça nous a coûté des points, peut-être même qu'on aurait pu perdre sans un miracle d'Etienne Green. J'espère qu'on sera arbitré comme il faut ce week-end parce qu'on n'espère pas vivre ça deux fois. Et puis au bout de 5 minutes de jeu, t'as Pintor qui part au but, qui se fait retenir et qui malheureusement doit, le Havre doit prendre carton rouge. Et si au bout de 5 minutes il y a carton rouge, c'est plus le même match. Au-delà de ça, c'est au-delà du carton rouge, il doit au moins siffler faute, quoi. Je rappelle quand même qu'on est en train de débattre sur une faute où il n'y a même pas eu faute en fait. Oui, mais, non, mais c'est terrible ce qui s'est passé parce que t'as raison de repartir sur QRM, Sylvain. Moi, ce que je regrette là-dedans, c'est que bah, finalement, on a un club. Bon, alors, pour communiquer sur une chose ou l'autre, ça communique. Hein. Mais quand il s'agit de mettre un petit coup de pression ou d'indiquer que, ben voilà, on a pris un rouge, que ce rouge n'était pas mérité, pendant la semaine, on ne travaille pas dans les médias. On ne travaille pas dans les médias, on n'est pas présent, on se contente du minimum syndical. On n'a pas de président présent, de toute manière, ça maintenant on le sait. Le président exécutif n'est pas présent, sauf a priori demain dans l'équipe. Oui, pour voilà, ceux qui donc, seraient passés à côté de l'info, a priori, demain, on aurait une interview de Soukas dans l'équipe. Voilà, donc si vous voulez, moi déjà, là, ce qui me gêne, c'est qu'on est un club qui existe, qui doit exister, même sur la scène médiatique, et on doit un petit peu mettre la pression, nous aussi, parce que d'autres le font, sur l'arbitrage. Voilà, on a été victime d'une injustice, on est resté pendant 5-10 minutes à 10 au lieu de 11, on aurait peut-être pu gagner à QRM, voilà, ça c'est des choses qu'on peut lâcher. On les lâche pas. Bon, là, on arrive contre le Havre. Oui, Pintor, il y a faute puisque le quatrième arbitre a présenté ses excuses à Batles, ouais. À Batles et à Soukas en disant Monsieur Le Texier s'est trompé. Bon, une fois qu'on a ça, là, j'aimerais que l'AS Saint-Étienne, pareil dans les médias, explique son mécontentement par rapport à ça. C'est à eux de mettre encore une fois la pression parce qu'il va se passer quoi à force de rien dire ? Eh ben à Valenciennes, pourquoi pas remettre encore un rouge un peu facile, pourquoi pas ? Vous voyez, si vous voulez, il faut qu'on se fasse respecter. Et ce que tu disais, Sylvain, à juste titre tout à l'heure sur l'envie de défendre, sur cet état d'esprit, je crois que c'est aussi à nos dirigeants de montrer l'exemple et de montrer la voie. Absolument. Et tout à fait. Et au-delà de tout ça, moi je pense que voilà, on va pas parler des années de l'arbitrage parce que après, bon, oui. le carton rouge de Green, il est absolument indiscutable. Le geste d'humeur de Cafaro, c'est de la frustration par rapport à la première expulsion et c'est la conséquence de la première expulsion. Voilà, maintenant, le Briançon, je crois qu'il fait deux fautes, il prend deux jaunes. Tu sais que le mec, il a déjà un carton jaune sur sa deuxième faute. Tu vas, tu lui dis, écoute, méfie-toi sur la prochaine faute, tu prends rouge. Voilà, tu fais un peu de psychologie, tu gardes en tête que l'équipe s'est déjà fait enfler la semaine dernière sur l'arbitrage. Voilà, tu prends tous ces éléments en compte. Ça n'a pas été le cas. Je tiens aussi à rappeler qu'il y a un tacle juste avant la mi-temps sur Madi Camara. Oh, putain, oui, celui-là, pardon, j'ai juré, mais... Celui-là, j'aurais pas voulu le voir dans l'autre sens parce que ça aurait peut-être pas été la même décision. Allô ? Ouais. Oui, tout à fait. Donc voilà. On n'a pas juste pas entendu la fin de ta phrase sur le tag sur Madi Camara. Il y a eu un petit bug de son. Ah, excuse-moi. J'ai dit juste, j'aurais pas voulu voir la décision dans l'autre sens sur le tag de Madi Camara parce qu'elle aurait peut-être été différente a priori. Ouais.
Ouais, ça a été assez vénère. Bah justement, sur l'arbitrage, Karl, qu'est-ce qui ressort dans le chat? Je me doute qu'on est tous déçus par l'arbitrage, mais est-ce que les gens ont plutôt tendance à dire que le score est le reflet de l'arbitrage ou que même avec un bon arbitrage, ça aurait rien changé? Mais les supporters dans le chat sont plutôt mesurés. Ils disent que l'humiliation et le score sévère est plutôt de la faute de l'arbitre. Mais la défaite, on n'a aucune certitude sur le fait qu'on aurait gagné avec un autre arbitre. Au contraire, Deontopou qui nous dit l'humiliation, c'est la faute de l'arbitre. Ouais. Sébastien qui nous dit les cartons, ils sont, mais ils sont sévères. Après, il y en a un joli côté à vrai qui n'a pas été sifflé. Je pense qu'il fait référence à Pintor. Pascal qui nous dit si un rouge avait été sorti sur la faute de Pintor, ça aurait pu basculer le match en notre faveur. Albert Pila qui nous dit Pilia pardon qui nous dit l'humiliation est due à l'arbitrage. Il n'aurait peut-être pas gagné ce match, mais le 0-6 est entièrement de la faute de l'arbitre. Et Sam qui nous dit on était déjà pas bon dans les 30 premières minutes avant les cartons. Par contre, l'arbitre n'a rien sifflé pour le Havre. Et sinon, on nous parle aussi exactement de ce que tu disais, que la faute sur Camara. Et sinon, pour revenir sur la communication et le manque de communication, il y a Barça et Sébastien qui nous disent des choses qui ne font pas plaisir, mais qui sont réelles. À l'image du club, personne gueule comme Aulas le fait quand il y a scandale. On aurait un président comme Aulas, honnêtement, on n'en serait pas là, et ça fait mal d'écrire ça. Et sinon, Leïla qui nous dit, le seul au front dans les médias, c'est le coach, et ce n'est pas bon. Les présidents doivent monter au feu, au front, et défendre son club. Bah, a priori, Tout à encore fait. une fois, là on est lundi soir. Normalement, demain il y a une interview dans l'équipe de Soukass. On verra ce que ça donnera. On se souvient que Soukass avait déjà fait une interview. Alors c'était pour France Bleu, hein, me semble-t-il, quelques jours après le barrage retour perdu. Donc pour venir clarifier un petit peu ce qui se passe en interne. On sait que c'est un exercice de com qui est très préparé, mais bon, j'ai quand même hâte de savoir ce qui va être dit. Messieurs, moi j'ai une question à vous poser quand même, à la suite de cette énième défaite. Est-ce qu'on peut viser autre chose que le maintien cette saison, à votre avis? Si on se projette un Moi, petit peu sur le reste je de la te saison. réponds dans 10 jours. Des joueurs d'une vraie qualité apportant une vraie plus-value arrivent, et si la mayonnaise prend réellement rapidement, c'est-à-dire qu'il y a un vrai réveil courant septembre, ça peut lancer une dynamique et on peut faire quelque chose de positif. Maintenant, c'est plutôt un vœu que quelque chose auquel je crois, parce qu'on se rend bien compte que les stigmates de la descente sont encore là, qu'il y a des joueurs dans le vestiaire que le club ne souhaite plus voir dans le vestiaire parce qu'ils apportent pas forcément l'état d'esprit qu'on attend aujourd'hui et qui sont là malgré tout et qui font que le verre est dans la pomme. Donc oui, pourquoi pas, mais j'y crois très peu pour pas dire pas du tout. Sylvain? Hein. Moi, je me prononcerai pas avant encore au moins 4-5 journées. Parce que si malencontreusement à VA, il y a deux cartons rouges pour VA, on va gagner 2-0 tiré par les cheveux et qu'une dynamique se lance et que les choses commencent à se remettre à l'endroit, dans 4 journées, on dit quelque chose de complètement différent. Donc en fait, je préfère pas me prononcer. Je pense qu'on en saura plus dans 7, 8 journées à partir, enfin, comme avait dit Batless, autour de la 10e journée, on pourra dire bah oui, écoutez, on va jouer le maintien ou alors. On finira ventre mou, voilà. Quoi qu'il en soit, juste pour revenir un tout petit peu sur le match, parce qu'on a beaucoup parlé de l'arbitrage, mais il faut quand même pas mettre de côté, et je tiens vraiment à le faire, la prestation globale. Jusqu'à la 35e minute, on a été en grande difficulté. Il y a le poteau pour Le Havre au bout de 3-4 minutes qui fait que tu te dis, bon, bah, ça aurait aussi pu tourner comme ça. On se réfugie derrière le carton rouge au bout de 5, mais juste avant. Il y a ce poteau pour le Havre. Et puis, je nous ai trouvés en énorme difficulté sur le côté droit. Pintor était en retard systématiquement sur son latéral qui nous a fait beaucoup de mal. Et puis, le pauvre Palencia, il a bu l'eau comme à son habitude parce que de toute façon, il n'a pas le niveau pour jouer dans une équipe de Ligue 2. Donc, sur de là. Ni Silva à gauche, Les mots sont ni Silva durs, à mais les gauche. mots sont justes. Non, mais on est repassé dans un système à 4. Je veux dire, on est repassé dans un système à 4 défenseurs parce que soi-disant à 3, ça allait pas fonctionner. Sauf qu'on joue avec Palencia à droite et Gabriel Silva à gauche. Et Donc on est à deux.
Voilà, donc on est à deux, et les deux qui jouent dans l'axe, à mon avis, sont pas faits pour jouer dans une défense à deux parce qu'ils sont trop lents. Donc Ouais. à partir de là, en fait, on se fusille, mais apparemment, c'est Mais bien. tu sais, c'est quand même. Là, pour le coup, Laurent Batless a sa responsabilité sur ces choix-là. Parce que quand on dit, quand on explique, quand on fait jouer tous les matchs amicaux à trois défenseurs et qu'au bout d'une journée, on décide de passer à quatre parce qu'on veut sécuriser, etc., on se renie soi-même. Et à un moment donné, on met en difficulté aussi des joueurs qui n'ont pas le profil pour jouer à quatre. Donc là, Laurent Batless, il s'est renié encore samedi dernier en disant, bon, bah, le beau jeu maintenant, on va arrêter, il va falloir jouer un peu comme des bourrins de Ligue 2 pour peut-être sortir des résultats. Il est en train de se renier, mais ça veut dire qu'une seule chose, c'est qu'il n'est absolument pas sécurisé, ni sur ce que lui veut proposer dans son projet de jeu, ni sur ce que les dirigeants lui proposent sportivement en termes de recrutement. On sent que c'est un club qui vit un petit peu, qui avance à vue et qui sait pas trop quoi faire. Bon alors, Non, si le club au-delà. sait pas trop quoi faire, quelles sont pour vous les solutions pour réagir? Là, alors, c'est un peu compliqué de poser cette question-là à quelques jours de la fin du mercato, mais en imaginant que bon, l'effectif va évoluer, mais en imaginant que l'effectif n'évolue pas, quelle serait la bonne manière? Batles a parlé de faire un stage potentiellement en septembre pour souder l'état d'esprit. Est-ce que c'est des changements tactiques plutôt qu'il faudrait envisager? Qu'est-ce que t'en penses toi, Sylvain? Mais je pense qu'en fait, c'est un mélange de tout ça. Ouais. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais d'entendre un coach dire on va faire un stage de cohésion en septembre, mais moi, ça me. Enfin, après, peut-être que je fais des plans sur la comète, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que le groupe vit comment si tu dois faire un stage de cohésion après 2 mois de. Après 2 mois que les mecs sont ensemble? Et Sylvain, il vit mal le groupe, on le sait. On sait que le vestiaire est largement coupé en deux. On sait qu'il y a eu des attitudes vis-à-vis des joueurs qui sont arrivés qui ont été absolument déplorables, un accueil pourri. C'est un vestiaire qui est coupé en deux. Et je crois que Batless espère vider le vestiaire de ses pommes pourries pour ensuite faire peut-être un stage, je ne sais pas où, hein, ils ne vont pas aller aux Maldives, mais faire un stage avec des gens qu'il a choisi d'avoir dans son vestiaire et d'écarter ceux qu'il ne veut plus avoir. Moi, je crois qu'il est en train de se rendre compte que son vestiaire est tout simplement pourri et qu'il aura zéro état d'esprit ni projet de jeu tant qu'il aura des gens qui n'ont pas envie de tirer dans le même sens. Sauf que de semaine en semaine, il les enlève, ces joueurs-là. À un moment donné, de semaine en semaine, il les enlève, ces joueurs-là. Et de toute façon, il n'arrivera pas à se débarrasser de toutes ces fameuses pommes pourries parce qu'ils n'ont pas d'offre, parce qu'ils sont pas bons. Donc à Oui, partir de c'est là, vrai. les choses sont claires. Mais moi, après, peut-être que je me trompe, mais je vois pas comment, quand on prend le 11 de samedi, qui pourrait être une pomme pourrie dans ce 11-là. J'avoue que je vois pas. T'as que des recrues quasiment. Bon, Bah les... Palencia fait la gueule quand même, hein. Il n'a pas forcément envie d'être là. Il sait qu'il est sur la sellette. Bon, pas Gabriel Silva, hein, c'est pas un méchant, hein, mais bon, Non, voilà, là. là, il n'y a pas de souci. Après, pomme pourrie, sur le banc, il y en avait une, hein. Pour moi, Masson est une pomme pourrie dans ce groupe, hein. C'est quelqu'un qui fait un peu sa vie et qui n'a pas décidé de rentrer dans le projet de remontée, Niou. ni même de Saint-Étienne. Neyou, on peut avoir de gros doutes. Moi, je suis désolé, mais Camara, on loue ses valeurs, on loue son amour du maillot, on loue plein de choses. Mais Camara, Il y est plus, il y est plus. il joue quatre niveaux en Ouais. dessous de ce qu'il proposait l'an passé. Alors bon, même si c'est inconscient, ça reste quand même des pommes pourries. C'est-à-dire que c'est des gens qui participent à désagréger complètement le projet de jeu que veut installer Batless. Non mais c'est certain, mais moi je pense qu'au-delà du système, au-delà de tout ça, il va falloir aussi que les joueurs aient des coups de pouce aussi. C'est-à-dire que quand au bout de 5 minutes le mec il part au but et que ça doit faire carton rouge, eh ben que ça arrive quoi. À un moment donné, quand tu prends des gifles sur la tête, il y en a certains, ça fait 3 ans hein, qu'ils prennent des gifles sur la tête Ouais, va falloir un à déclic, va longueur de falloir un week-end. événement marquant. À un moment donné, il va aussi falloir qu'il y ait un fait favorable, quelque chose qui nous C'est mette à ça. l'endroit et qui nous permette de faire repartir un petit peu les choses. Quand je vois Question, qu'on a... Sylvain.
Sylvain, je te pose une question. S'il y a du public à Geoffroy Guichard, il y a carton rouge, tu penses? Moi, au-delà, je vais répondre différemment à ta question. Si cette semaine, il y a quelqu'un, je sais pas, Loïc Perrin, Stukas, qui dans la presse dit, ou même en conférence de presse d'avant-match, j'espère qu'on sera arbitré comme il faut cette fois-ci, juste cette phrase, hein. J'espère qu'on n'aura pas le droit à une deuxième erreur, juste cette phrase, il y a carton rouge, je te le dis. À un moment donné, bon, c'est pas à toi que je l'apprends, Alex, j'étais à la conf vendredi. La réponse de Batles suite à une question d'un journaliste qui lui dit alors, Nadé sera disponible, qu'est-ce que vous avez à dire? Il a répondu, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ah si, Non, t'as quelque chose mais à dire, ah voilà. ouais, bien Ça sûr. fait partie de l'intox, ça fait partie de tout ce travail-là de dire, bah on s'est fait avoir, voilà, oui, on s'est fait avoir, ils ont avoué leur faute, c'est très bien, faut avouer un match et pardonner. En revanche, j'espère que ça nous arrivera pas, que ça ne nous portera pas préjudice une Exactement. seconde fois. Et voilà, et en fait, c'est juste ces petites choses qui montrent C'est de la malice. que voilà, c'est ça fait partie du vice et c'est pas en fait c'est nécessaire, ça fait partie du football, le vice fait partie du Oui. football. Voilà, tout simplement, c'est pas t'es gentil, t'attends et ça va se passer correctement parce qu'il y a une justice. Non, c'est pas comme ça malheureusement. Karl, j'ai vu que la question de Sylvain avait fait et la question d'Alex ont fait un peu réagir dans le chat. Qu'est-ce qu'en pensent les gens de est-ce que s'il y avait eu du public, ça aurait changé un petit peu le scénario du match? Qu'est-ce qui ressort vis-à-vis de ça? Alors attends. Ah, tu t'attendais pas à ce que je te la pose celle-là, Bah, hein? je m'attendais à ce qu'il me pose des questions sur ce que vous avez évoqué avant, mais du coup il y a Lino Flinguer qui nous dit c'est pas un déclic qu'il faut mais des claques. Il y a Castrike qui nous dit le fait favorable, il faut le provoquer aussi. Paddy Attitude qui nous dit Est-ce qu'on ne le provoque pas aussi avec Pintor au bout de 5 minutes? Enfin, je veux dire, le mec qui part au but, Ouais, il c'est se fait vrai, c'est retenir. Est-ce vrai. que tu le provoques pas? Bah, Enfin, je justement. m'excuse, je t'ai coupé la parole, mais Non, non, mais c'est justement. moi je pense que voilà, on essaye des choses, mais jamais, on n'est jamais. Enfin, Ouais, il n'y a confiance. jamais le truc qui fait que, ah ouais, ça y est, ça tourne bien. Mais il y a Maître Loutre qui dit justement, s'il y a du public, il siffle sur Pintor, le Texier. Paddy Attitude, il me dit, s'il y a du public à Geoffroy, avec le niveau que les joueurs proposent, ils se font défoncer. S'il y a du public, Briançon n'aurait pas fini le match. Donc chacun y va un peu de ses prédictions. Mais heureusement qu'il n'y avait pas de public pour Christophe. Ouais, Et c'est Albert sûr. Pila, Albert qui nous dit, j'espère que les dirigeants vont envoyer une vidéo aux instances pour montrer l'incompétence de Le Texier. Il ne doit plus jamais nous arbitrer. Et sinon, sinon, pour répondre à la question de Alex sur le stage aux Maldives, détrompe-toi, ça sera bien aux Maldives, mais aux Maldives françaises. C'est-à-dire au Chambon-sur-Lignon. Voilà. Roland est toujours là. Bah oui. Tu vas pas commencer à critiquer le Chambon quand même, Carlusso le Parisien. Non. Mais juste, du coup, je vois un commentaire qui nous dit, avec le huis clos, les cris des Havrais, comme s'ils avaient été assassinés, n'auraient pas eu aussi de force et donc Ouais. pas de route. Voilà. Non mais Mais tout ça ça, c'est c'est vrai que vrai, hein. le huis clos accentue aussi les réactions des joueurs et donc aussi les fautes subies. Ça, il faut y penser. Et pardon pour tous les Chambonnais sur Lignonnais. Exactement. Messieurs, on a parlé des cartons rouges et le problème c'est qu'on a un match qui arrive bientôt qui sera contre Valenciennes. Je vous propose qu'on en parle un petit peu. Petit jingle. Active Synthé Night Club. Le prochain match. Alors le prochain match contre Valenciennes, donc à Valenciennes, moi j'avais envie de vous poser une petite question. Je me suis préparé sur le magnifique site peuplevert.fr. Hop, Très bon la petite site. compo de l'effectif. Et je voudrais bien vous demander quelle compo vous mettriez. Bien sûr, en admettant qu'on a l'effectif actuel, on va faire une grosse page mercato. On va faire 20 minutes de mercato. Mais avant ça, j'aimerais bien avoir votre compo et votre prono. On va commencer avec toi, Sylvain. Dis-moi. Bon, on peut pas partir du principe du coup qu'une arrivée est possible au poste de gardien de but, si je comprends bien Oh, ce que tu me si, on demandes. peut peut-être anticiper ça quand même. Si, si, Oui, si, parce que mais elle devrait disons que si arriver tu dans me la dis semaine. Dreyer, je mets Ravert parce que je l'ai pas encore dans ma base de données, quoi. Tout à fait, mais je pense que Dreyer sera là. Ouais. Voilà, donc Dreyer. Moi, je repartirai dans une défense à 4 pour la simple et bonne raison que je pense qu'on a des joueurs sur le plan défensif pour jouer dans une défense à 4. En Alors, revanche,
Juste 4-3-3, 4-4-2, 4-2-3-1. Moi, je partais plutôt sur un 3-4-3. Ok, 3-4-3, ça marche. Comme tu l'as mis, voilà. L'objectif, donc, ça serait de jouer avec, évidemment, Giroudon en axial, parce que je pense que ça sera pour lui le meilleur poste, c'est-à-dire un poste dans lequel il va pouvoir avoir du temps pour relancer. Il aura probablement moins de duels. Donc, voilà. Après, axial gauche, je mettrais Michael Nadé pour la simple et bonne raison que c'est son meilleur poste. Pourquoi? Parce qu'il est couvert dans son dos par l'axial central et parce qu'il a plus de temps pour relancer également, chose qui n'est pas facile pour lui. Ouais. Et après, à droite, il faut un joueur de vitesse. Il faut un joueur de vitesse pour la simple et bonne raison que Giroudon n'est pas rapide. Nadé, c'est un faux lent, mais il met du temps à démarrer quand même. Du coup, donc Bakayoko. À droite, je mettrais soit Sow, soit Bakayoko, mais je ne sais pas l'état d'esprit dans lequel est Sow. Il y a beaucoup de rumeurs de transfert à droite, à gauche, qui diraient que potentiellement il pourrait partir. Alors, je mettrais Bakayoko okay. pour cette raison-là. Voilà. Ça marche. Ensuite, évidemment, il y aura Lobry au milieu, parce que je considère que c'est un joueur qui c'est un des seuls joueurs qui va performer, voilà. Ouais. À côté de lui, je mettrais Bouchouari parce que de ce qu'on a vu, j'ai envie de le voir au moins une petite heure la semaine prochaine. Oui, et puis il aura 10 jours dans les pattes au lieu de 3 jours, donc c'est déjà un peu mieux. Tout à fait. Et là, ça va commencer à se compliquer parce que pour moi, les deux postes en fait de piston, on n'a pas les joueurs nécessaires pour jouer à ce poste, pour jouer à ces postes-là. Donc c'est extrêmement compliqué. En fait, par dépit. Je vais te dire Gabriel Silva et Palencia, mais je ne suis pas du tout convaincu. Ouais. Voilà. Ça va être vraiment par dépit, mais je ne suis pas du tout convaincu. Pour moi, c'est dans les rôles de piston où on doit vraiment trouver des joueurs qui vont nous permettre de changer quelque chose. Voilà. Devant, évidemment, Crasso en 9, parce qu'on n'aura rien d'autre d'ici oui. Samedi, à mon avis. Voilà. Et je mettrai le très jeune et très talentueux Aiki parce qu'on n'aura rien d'autre à la place de Cafaro. Ok. Et à droite voilà. Aiki, tu le mets à gauche ou à droite? À gauche, à gauche. Ouais, il joue à gauche de toute façon. Ouais. Et après, à droite, pareil, on n'aura pas 50 options non plus. Ça sera Pintor. Ok. Ok. Voilà. Je répète encore une fois, pour moi, cette composition va nous permettre d'être plus solide, c'est-à-dire d'être plus solide défensivement, parce que je pense que dans un premier temps, il faut se rassurer. Et les trois devant seront peut-être en mesure, par notamment les deux joueurs de couloir, par leur vitesse, de créer quelque chose et potentiellement de débloquer le match. J'aimerais bien qu'on soit capable de marquer en premier pour une fois. Et qu'on puisse, pour une fois, avoir un score favorable qui nous permette peut-être d'avoir ce déclic et les choses qui changent. Voilà. Pour moi, les trois joueurs offensifs sont en mesure de créer des choses. Quoi qu'il en soit, les deux pistons vont, dans un premier temps, bien défendre parce qu'ils ne savent pas attaquer, de toute façon. Et puis, au milieu de terrain, on met de la qualité technique. Parce que Camara, Dieu sait que j'ai longtemps voulu défendre. Je l'ai longtemps défendu, mais... De 1, il n'y est plus. De 2, même sur ses qualités, on n'arrive plus à le retrouver dans les récupérations, dans le travail défensif. Donc, Alors, j'ai l'impression que les gens sont plutôt d'accord avec ta compo, mais qu'ils ont quand même peur de cette compo, mine de rien. Est-ce que tu pourrais me donner un petit prono ? Histoire de jouer un peu. Histoire qu'on se fasse des petits jeux entre nous. Un braquage, 1-0. Oh ouais, on aimerait ça. Oh, ce serait bien. Parce que malgré tout, je pense que Valenciennes est une équipe très faible offensivement. Ouais. Et malgré ça, on sera capable d'encaisser un but, quoi. Si on veut avoir le temps de parler longuement du mercato, on va passer à toi, Alex. Faites la petite capture d'écran de cette compo. Ça, c'est celle de Sylvain. Alex, en termes de formation, déjà, pour commencer. Écoute, moi je partirais sur le 3-6-1, comme ce qu'il a proposé contre Dijon. Et dans ce 3-6-1, je suis d'accord avec Sylvain sur la défense centrale à 3 avec Nadé, Giroudon, Bakayoko. Ok. Là-dessus. Dans les cages Dreyer aussi ?
Ouais, Dreyer aussi, parce que a Enfin, priori, si tout en partant du s'accélère, principe qu'il arrive, hein, bien sûr. ouais, bon, a priori, ça devrait vraiment se faire. Que voilà. Ensuite, je mettrais bien Mouton, Camara, Bouchoirie. Alors, mouton en Voilà. 6, du coup? Mouton, alors, je mettrais, oui, Mouton en 6, Camara et Bouchoirie, gauche et droite, ou droite et gauche. Ouais. Comme tu souhaites, là-dessus, Sylvain est plus fin que moi. Il connaît les bons pieds de tous les joueurs. Il a vu des vidéos. L'Aubry, c'est gaucher, ouais, l'Aubry. Ah, j'ai pas mis l'Aubry encore. Ah, d'accord, Eh pardon, ouais, l'Aubry, excuse-moi. je l'ai fait monter d'un cran, en fait. Tu le mets en 10? Ouais, je l'ai mis en numéro 10, derrière Crasso. Je sais pas si c'est vraiment là qu'il excellerait le plus, mais. C'est là où il jouait l'année dernière, en tout cas. Ouais, en tout cas, je l'ai mis numéro 10, Aiki à gauche. Et puis, j'ose titulariser, parce que malgré son mal de poignet, il doit courir quand même. Tambost, vous croyez qu'il pourrait être titulaire? Dylan Chambaud, moi, d'après les news que j'ai lues, alors je suis pas un insider, hein, mais ça me paraît un peu juste encore pour une C'est un peu juste, titularisation. hein. Bon, alors dans ce cas-là, on est obligé de penser à des joueurs comme Palencia, comme, j'ose même pas dire Masson. Non, n'ose pas. Rivera, c'est trop léger. Non, non, Rivera, c'est beaucoup trop léger. Pas assez bon en défense. Pintor, c'est pareil. On va mettre Palencia dans ce cas-là. Palencia? Ouais, Ouais. pas le choix, hein. Je sais pas. Et Bah, puis devant Crasso. t'as Pintor, t'as Aouchiche. Ouais, En Aouchiche, fait. j'avais imaginé, mais c'est pas non plus quelqu'un qui sait défendre. Il fera pas le Bah piston, ouais, quoi. c'est assez offensif. Il sera pas là. Il sera pas là. Il aura Ouais. encore mal, je pense. Ouais. Je pense qu'il aura Il mal aura tant au qu'on sera moins pas encore mal jusqu'au transféré, 31. Ouais, au moins jusqu'au ouais. 31. Jusqu'à la fin du mercato, il risque d'avoir des bonnes douleurs. Ouais. Ah, c'est sûr. En tout cas, ce qui est effrayant et ce qui me rassure, c'est que ce soit toi ou moi, en fait, on cherche la solution la moins pire. Et c'est ça qui est Ouais, grave, en fait. C'est ça c'est qui est ça. très grave. Ouais, complètement. Bon, avec cette compo, Alex, combien on gagne? Bah, avec cette compo, j'aimerais bien qu'on ramène le match nul au moins, quoi, parce que ce sera un résultat positif, un nul à l'extérieur, même si c'est à Valenciennes qui joue aussi le maintien, qui va jouer le maintien toute la Et ce saison, a sera un match priori. nul 0-0 ou 6-6? Bah, 6-6, ça veut dire qu'il faut qu'on arrête de chercher un avant-centre. Non, ça peut être un match nul de type un partout, 2-2. Je vois pas Saint-Étienne ne pas prendre de but, en fait. Ouais. C'est triste, mais ouais. Ok. Bon, et ben merci messieurs pour ce petit exercice de style. Vous pouvez donner vos pronos aussi hein, dans le chat. On les récupérera tout à l'heure. Il nous reste un gros quart d'heure. On va faire un gros point mercato. Et ça va se passer avec l'ami Carlusso. Alors, mon cher Karl, quelles sont les dernières nouvelles? Et depuis mardi dernier, il y a eu pas mal de rumeurs et puis une officialisation. On va commencer par celle-ci, c'est le départ de Mukudji. Ça s'est fait en 2 jours. Saint Inside avait sorti l'information mercredi en disant que le joueur allait être libéré de son contrat pour rejoindre Athènes. Le Progrès a ensuite sorti le lendemain l'information comme quoi Saint-Étienne allait toucher un pourcentage à la revente. Et puis le joueur a été transféré officiellement le lendemain, donc ça c'était pour l'officialisation. Et puis sinon, du côté des rumeurs pour de potentielles recrues, il y en a deux qui reviennent avec insistance et qui pourraient peut-être se concrétiser dans les prochains jours. Tout d'abord, Mathieu Dreyer, ou Dreyer, je sais pas comment on le Dreyer, prononce, ouais. Dreyer, gardien de 33 ans de Lorient, Chauve. chauve Très évidemment, important quand même pour le poste de gardien à la santé. effectivement, on ne déroge pas à la règle. Juste après la débâcle de samedi et l'expulsion de Green, l'info est sortie par le Progrès. Le joueur, il serait pas insensible à tenter une expérience dans le Forez, lui qui est remplaçant à Lorient. Ouest France a même confirmé l'info et a annoncé une signature imminente en ce début de semaine. Et l'équipe a évoqué une arrivée libre, donc ça veut dire qu'il serait libéré de sa dernière année de contrat et un contrat de 2 ans l'attendrait à Saint-Étienne. Et la deuxième rumeur insistante, c'est Léo Pétraud. On en parle depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs jours plutôt, non sorti par Saint Inside. C'est un défenseur gaucher, central gaucher, qui peut aussi jouer dans un poste de latéral gauche dans un système à 4. Le joueur est hyper emballé à l'idée de revenir à Saint-Étienne, là où il a été formé, sous les ordres de Batles d'ailleurs. Perrin, en conférence de presse, a évoqué son nom en disant qu'il avait été évoqué en interne.
Batles a aussi évoqué et s'est aussi exprimé sur son sujet en disant que c'était le bon profil recherché. Donc, à voir aussi, on nous dit qu'il pourrait peut-être venir avec Dreyer. Ok, alors pause, parce qu'on a... On a déjà quelques sujets là sous la main. Bon, messieurs, je vous mets une petite photo de qui a transformé Harold Mukoudi en mauvais joueur sur le stream. Sur son départ, on est tous d'accord pour dire que bon, bah, c'était ce qu'il y avait de mieux à faire. Alors je suis désolé, j'ai pas entendu. Concernant qui tu dis ? Concernant Mukoudi. Ah oui, bah oui. Oui, on se demandait quel club allait récupérer Mukoudi. C'est un peu comme Youssouf, hein, on se demandait qui. Bon, bah, c'est bien. L'AEK Athènes, a priori, ne regarde pas la télé, donc c'est bien. Sylvain, pareil. Ouais, pas de regret. L'aventure stéphanoise de Mukoudi restera pas dans les annales. C'est vraiment. Si tu te trompes là, Sylvain, elle va rester dans les annales. Oui, financier, oui. Mais, 26 matchs. Hein. Sans oui. victoire. Oui. Et, ouais. Mais au-delà de tout ça, je pense que c'est un deal gagnant-gagnant pour toutes les parties en fait, ouais. la SS, pour le joueur, pour même pour l'AEK. Je pense que il peut potentiellement trouver un autre projet où il n'arrive pas dans un contexte où il sait qu'il fonctionne pas et pourquoi pas le relancer. Voilà. C'est très bien pour tout le monde. C'est vrai que pour le coup, à titre très personnel, moi, ça fait partie de mes très grosses déceptions parce que c'est un joueur sur lequel j'attendais beaucoup. Quand il est arrivé à Saint-Té, je me souviens que je m'étais beaucoup renseigné, que j'avais beaucoup d'espoir sur Mukoudi, mais malheureusement, ça ne le fera pas. Dreyer, donc, pour venir concurrencer Étienne Green, vous le voyez arriver là, forcément, dans une position de numéro 1, vu que Green est suspendu. Mais à terme, sur la saison, ce serait dans une position de numéro 2. Pour vous, c'est un bon choix ? C'est un choix. Pour moi, c'est un choix relativement lambda, c'est-à-dire que c'est pas un joueur qui va apporter une vraie plus-value. J'ai cru comprendre que Laurent Batles non seulement souhaitait mettre de l'expérience à côté d'Étienne Green, mais voulait aussi le mettre en vraie concurrence. Donc, est-ce qu'il n'a pas en tête d'installer Dreyer un petit peu plus longtemps que ce qu'on pense dans la cage ? Voilà, je. Non, ça m'emballe pas, Dreyer, mais est-ce qu'on peut avoir mieux aujourd'hui ? Ouais. Est-ce que. Voilà. Sylvain ? L'idée d'avoir un entraîneur, un gardien qui est un petit peu expérimenté, qui sait qu'il arrive comme rôle de numéro 2, qui vient pour accompagner, pourquoi pas ? Malheureusement, le véritable problème, c'est que est-ce que si Green avait été expulsé, on l'aurait fait ? Moi, je me pose la question, c'est-à-dire qu'encore une fois, on navigue à vue, on se dit « Oups, mince, on n'a pas de gardien pour la semaine prochaine, faut qu'on en trouve un en urgence ». Ouais, d'accord, sauf que le mercato, il a commencé depuis 2 mois. Ça fait 2 mois que Boubacar Fall, il est pas disponible parce qu'il est blessé, on le sait. Voilà, on réagit en urgence, donc on fait vite un gardien. L'avenir nous dira si c'était un bon choix. Une chose est sûre, c'est que... Enfin, moi, c'est le timing qui me révolte. Parce que je me dis, en fait, imaginons... Green, il se fait expulser dans 15 jours. Quand le mercato il est fini, on fait comment ? Bah, on joue avec Raver, en fait. Sauf qu'on sait très bien que Raver, moi, c'est un garçon que je suis et que je connais très bien. C'est un garçon qui a beaucoup, beaucoup de talent et qui sera probablement le gardien de la Saint-Etienne un jour. Mais il a 17 ans, ouais, il a peut-être 7-8 matchs en National 3. Le reste du temps, il a joué en U17 et en U19. Des joueurs aussi précoces, c'est pas possible. Il y avait Saliba, mais Saliba, c'est une exception. On le voit aujourd'hui. Ouais. Ce qu'il fait en Angleterre, c'est stratosphérique, mais on n'en a pas un par génération au centre de joueurs comme ça, c'est pas possible en fait. Ouais. Donc à partir de là, on envoie des garçons qui sont jeunes au four, le pauvre, il a vécu sa première en pro à 8 contre 11. Putain, il va s'en souvenir de sa première, ouais. Sincèrement, mais on voudrait mieux s'y prendre pour défoncer des jeunes qu'on ferait pas mieux, quoi. On ferait pas mieux, sincèrement. On enchaîne rapidement, Léo Petro. Alors Sylvain, on va commencer avec toi. C'est un joueur, comme tu le disais, qui a été formé à Saint-Etienne, donc que t'as suivi un petit peu. Pour toi, ce serait une bonne chose son retour ? Écoute, c'est un joueur qui a mis du temps à décoller, à atteindre sa maturité, c'est-à-dire qu'il est devenu, disons, plus mature un peu plus tardivement que ce que souhaitent les clubs professionnels de Ligue 1, Ligue 2.
Il est repassé par Andrézieux, c'était un joueur cadre de l'effectif de Laurent Batless au moment où il était en charge de la réserve, tout comme Dylan Chambost d'ailleurs. C'est un joueur extrêmement fiable, c'est un joueur qui aime l'AS Saint-Étienne puisqu'il y est depuis l'âge. Il a été près de 12 ans au club, si je dis pas de bêtises, 12 saisons au club. C'est un mec de la Loire, c'est un mec qui va revenir et qui va avoir envie de porter ce maillot vert comme Dylan Chambost. Donc en fait, ne serait-ce que par l'état d'esprit, la volonté du joueur, déjà il y a cet aspect Ouais. positif. Voilà. Après, en termes de qualité, il sort d'une saison de Ligue 1 où il a joué la moitié des matchs. Il s'imposait doucement l'année dernière à Lorient. Voilà. OK. Faut voir, faut voir. De toute façon, des joueurs qui jouent en Ligue 1, qui veulent rejoindre la Ligue 2, de toute façon, ça ne sera pas des mecs qui sont indiscutables dans leur Ah équipe bah et c'est sûr. qui vont jouer le 11. Hein. Faut pas se raconter d'histoire. Hein. Carlusso, C'est on pas va une. enchaîner. Ouais, désolé Ouais, Alex, non, juste faut pour qu'on dire que c'est enchaîne un pas petit peu. inintéressant, mais que c'est quand même dommage de se rendre. Enfin, il a été mature sur le tard. Mais c'est quand même rageant de se dire qu'on va peut-être mettre un demi-million, je ne sais pas combien, sur un Léo Pétraud qui était chez nous, quoi, tout simplement. Oui, c'est sûr qu'en termes d'efficacité de mercato, c'est pas idéal. Karl, qu'est-ce que tu as d'autre à nous Ouais. donner? Mais on avait sorti chez Saint Inside le nom d'un attaquant la semaine dernière, Aliou Badji, l'attaquant sénégalais de 24 ans qui est à Amiens. Le joueur, il est en conflit avec sa direction et il veut quitter Amiens. On avait sorti que Saint-Etienne s'était intéressé à lui et pensait à ce joueur. Son nom a été évoqué en interne et il plaît particulièrement. Il a marqué 13 buts en 26 matchs de Ligue 2 la saison passée. Sinon, aujourd'hui, Évêque a fait un gros point mercato et a évoqué le nom de Tardieu, qui revient depuis aussi le début du mercato. C'est toujours une piste. Évêque parle même de la priorité. Son entourage serait venu faire du repérage pour une maison à Saint-Étienne et un milieu de Saint-Étienne pourrait partir à 3 en échange. En cas d'échec de la piste Tardieu, le plan B, c'est Mohamed Kaba, non sorti par Laurent Hess de but à SSE. D'après Nabil Djellit, la semaine dernière, Valenciennes aurait reçu une offre de Saint-Etienne pour le milieu de terrain de 20 ans. Et sinon, en troisième piste, un international africain de 24 ans, évoluant en Ligue 1 d'après Evect. Ça, c'est une info au Saint-Etienne Inside, on est en mesure de vous donner son nom. Le nom du milieu de 24 ans, c'est Moreto Kassama, milieu de 24 ans de Guinée-Bissau, qui est actuellement sous contrat à Reims jusqu'en 2024. Ok, donc petit exclu, on a le nom donc de cet attaquant qui serait pisté, Moreto Kassama. Milieu de terrain. Milieu de terrain, pardon. Juste, je reviens vite fait sur Mohamed Kaba. On en parlait un petit peu avant le début de l'émission avec Alex. Alex, toi, c'est une piste qui te paraît crédible, Mohamed Kaba. Est-ce que tu penses que c'est faisable? Alors, faisable, je ne sais pas, parce que moi, ce qui me semble déjà extraordinaire, c'est que Kaba soit toujours à Valenciennes le 22 août, avec la saison qu'il a accomplie l'année dernière. Du côté de Valenciennes, je suis très étonné que soit un top club de Ligue 2, soit un club de Ligue 1, n'ait pas encore embauché le joueur. Tant mieux pour nous si on est dessus, tant mieux pour nous si on existe sur cette acquisition-là. Mais s'il y avait une priorité pour ma part, ce serait davantage ce joueur que Tardieu. Voilà, moi j'ai une préférence pour qu'on fasse le Valenciennois. Ouais, bah en plus, en termes d'âge, il y en a un qui représente plus l'avenir que l'autre. Eh oui. Sylvain, t'es d'accord sur le fait que ce serait vraiment un beaucoup, Kaba? Yaba, c'est un joueur intéressant. C'est un joueur qui joue dans un milieu à deux à Valenciennes. C'est un jeune joueur qui doit beaucoup, beaucoup progresser dans les 30 derniers mètres. À mon avis, il a une énorme marge de progression sur sa capacité à marquer des buts et sa capacité à délivrer des passes décisives. Il se précipite souvent dans les 30 derniers mètres. En revanche, dans les 60 premiers, il est extrêmement intéressant. Il est capable de casser les lignes par la conduite. Il a un jeu de passe qui est convenable. Il a du volume. Peut-être il manque encore un peu de course à haute intensité, mais il a un gros, gros volume et défensivement, il est très, 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 très fort. Voilà. Après, pour comparer, enfin, moi, j'avoue que cette information, elle me paraît lunaire de dire le plan A, c'est Tardieu, le plan B, c'est Kaba. Oui, moi Donc, en ça m'a fait, étonné aussi, j'ai vu ça tout à l'heure.
Le plan A, c'est un meneur de jeu reculé, un technicien, un joueur qui va faire jouer son équipe. Et le plan B, c'est un 8, un relayeur Absolument. box-to-box. Donc en fait, expliquez-moi la logique de la chose. Ou alors je comprends peut-être pas tout, mais faut m'expliquer Non, la non, il n'y a logique entre le pas. plan A et le plan B. Il n'y a C'est-à-dire pas de que plan sans A, il n'y a pas beaucoup. de plan B. Mais bien sûr, Sylvain, tu as raison. Non, Il y je veux a. dire. Ouais. Ah ouais, non, mais tu as complètement raison. On est en train de parler de deux profils complètement différents. Alors, soit si vraiment c'est ce qui se dit en interne, ça fait un peu peur. Soit c'est uniquement un effet de style et d'annonce, et auquel cas, il n'y a pas de plan A ou de plan B. On joue sur tous les fronts et on verra qui est-ce qu'on accueille. Mais moi, de ce que je vois, c'est qu'il y a encore des joueurs qui vont partir. Hein. Neyou, Camara, on ne sait pas. C'est des joueurs qui vont partir. On va manquer de milieu défensif. Hein. Par contre, si tu me Relayeur. dis, par contre, si tu me dis que Camara va partir et qu'on le remplace par Kaba, c'est une très très bonne nouvelle. Si tu me dis que Neyo va partir et qu'on le remplace par Tardieu, c'est une très bonne nouvelle. Mais si tu me dis que l'un des deux va partir, on ne sait pas lequel, et que le plan A c'est Tardieu, le plan B c'est Kaba, bah non, désolé, en termes de logique de construction d'effectifs, je comprends pas. Alors, Ouais. je vous avoue aussi que si on arrive à recruter Kaba, c'est pas qu'une bonne nouvelle pour le club, mais c'est une bonne nouvelle aussi pour Joss Randall, qui se fait déjà plaisir avec les jeux de mots, et c'est pas le seul dans le chat. On a déjà quelques jeux de mots très bien sentis. Ensuite, est-ce que, si, juste rapidement, Moreto Kassama, du coup, vu que Karl nous donne le nom de cette attaque, de ce milieu de terrain qui serait ciblé, est-ce que c'est un joueur que vous connaissez un petit peu? Moi, j'avoue que je n'ai pas trop d'image en tête de quel est son niveau, tout ça. Je ne Moi connais non pas du plus. tout. Moi non Pas du plus. tout. Voilà. Moi, je vais pas parler de quelque chose que je connais pas. J'avoue que c'est un Ouais. joueur que j'ai vu jouer quand Saint-Etienne jouait contre Reims, mais que sur lequel j'ai pas un avis précis à donner. Donc Ouais, pareil. je m'abstiendrai. Ok, ça Écoute, marche. Bon, ben c'est on se un joueur renseignera. relayeur, en tout cas, qui a 24 ans, petit gabarit, de la même taille que Bouchouari, 1m65. Je suis sur Transfermarkt, j'ai rien inventé. Hein. Voilà, mais sinon, joueur, je ne connais pas. Il a joué la saison dernière à peu près la moitié des matchs pour 800 minutes sur la pelouse. Donc, c'est un joueur de banc hein, pour le moment. Alors, Karl, est-ce que tu as d'autres choses à nous donner? Bah, on va terminer rapidement avec les possibles recrues, enfin les noms qui reviennent, et après on fera vite fait un bref point sur les possibles départs. Au Vas-y, je te niveau coupe pas. attaquant, il y a un nom qui est sorti et qui va faire sourire, je pense, le chat, par Évêque cet après-midi, enfin ce début de soirée, c'est Enzo Crivelli. Mais le profil ne fait pas l'unanimité en interne et son état physique pose question, d'autant plus, et c'est, enfin d'autant plus non. Et surtout, son profil ne correspond pas forcément au profil initialement recherché par Batless pour jouer la profondeur avec Crasso. Et enfin, pour terminer côté arrivée, et ça concerne davantage la réserve, on vous en avait déjà parlé, Clem, vous avez déjà parlé de ce joueur il y a peut-être 2 semaines, c'est Anas Namri, jeune latéral droit de 20 ans, libre, qui était ancien Troyen, et qui était avec la réserve, à l'essai, enfin, qui est toujours à l'essai avec la réserve depuis un mois maintenant. Qui performe sur les matchs amicaux et qui a gagné sa place de titulaire, mais qui n'a toujours pas reçu de proposition de contrat, alors qu'il en a une depuis plusieurs semaines. Donc un peu, le joueur ne comprend pas forcément et attend toujours cette proposition de la SSE pour signer enfin un contrat. Ok, Voilà. ouais, un peu étonnant. En termes de départ, est-ce que on a des choses qui se précisent? J'ai cru voir un petit peu que les joueurs qu'on voulait faire partir, les Aouchiches, les Camara, n'avaient pas forcément de proposition. Bah d'abord, rapidement, Sceaux aurait une offre de l'Olympiakos. Enfin, en tout cas, l'Olympiakos serait intéressé par le défenseur guinéen de 20 ans. C'est une info Foot 224 qui évoque des discussions ouvertes avec l'entourage du joueur. L'équipe évoque possiblement une somme de 3 millions pour le laisser partir avec des bonus. Le joueur, on sait qu'il a un bon de sortie cet été. De ce qu'on sait, Saint-Étienne le laissera partir, mais seulement en cas d'offre satisfaisante. Pour Charladi, on évoque Valenciennes depuis quelques semaines. 90 Foot a annoncé la semaine dernière qu'il allait partir. Le joueur n'était pas emballé à l'idée d'y aller, c'est Clem qui l'avait dit la semaine dernière. Et le Progrès a sorti ce week-end que Abi avait pour ambition de rester à Saint-Étienne et de montrer à Batless qu'il pouvait avoir sa place dans l'effectif. Neyou aurait des touches au Portugal, ça c'est une info de Saint Inside. Confirmé par le Progrès et même en Ligue 1, ça c'est une information du Progrès.
Donc Abby et Neyu sont poussés vraiment vers la sortie, ce qui en témoigne leur non-présence dans le groupe ce week-end pour affronter le Havre. Ouais. Montpellier est intéressé à un certain temps par Neyu. Montpellier était intéressé, d'accord. Et pour vite fait, pour Palencia, Tenerife voulait faire, on l'avait évoqué la semaine dernière, voulait faire venir le joueur qui est en fin de contrat en juin. Mais selon un journaliste de Radio Club Tenerife, Sainté aurait répondu que le joueur ne partirait pas pour le moment. L'information elle a été sortie, on ne sait pas la valeur que ça a, mais en tout cas à l'instant T, c'est ce que la direction aurait répondu. Et en tout cas, pour revenir à Camara et à Aouchi, chez les joueurs qui ont vécu la relégation la saison dernière, d'après Évêque, il n'y a eu aucune offre pour les deux joueurs pour l'instant. Voilà, voilà. Ok. Pour conclure sur les arrivées, un retour de Crivelli pour vous, oui, non, peut-être ? Non, mais c'est un grand nom parce qu'on a eu trop de problèmes d'incertitude physique entre Modeste, Crivelli cette année et on va remettre. Là honnêtement, et puis alors quand j'entends qu'on annonce un nom et qu'on met ça où on indique qu'en interne on n'est pas d'accord, que le profil ne correspond pas, ouais. On sait que le joueur, enfin je veux dire, il y a un moment donné, si c'est une information réelle, on marche sur la tête hein, dans ce club, c'est pas possible. Sauf qu'Alex, à un moment donné, je veux dire, quand tu arrives à la fin du mercato, c'est comme en boîte de nuit quand tu arrives à 5h du matin. Hein. Il ne reste plus les belles, vedettes. C'est ça que tu veux dire. Hein. Voilà, il ne reste plus les vedettes hein, qui sont disponibles. Hein. Il ne reste plus le haut du panier. Hein. C'est comme en boîte de nuit, hein, le mercato. C'est-à-dire que quand tu arrives à la fin, tu te retrouves avec ceux et celles qui ont plus de difficultés à trouver preneur. Voilà, donc. Voilà. Moi, ce que je regrette sur le résultat de samedi, c'est peut-être ça. C'est que je suis absolument persuadé que ça a fait cogiter des joueurs qui pouvaient se poser la question de venir ou pas à Saint-Étienne, ou ça va faire pencher des balances, pas dans le bon sens. Ce 6-0, il marque les esprits. Même si certains diront que c'est M. Le Texier, on s'en fiche. Ce n'est pas M. Le Texier, c'est que ça fait ressortir que c'est un groupe qui vit pas forcément très bien, où il y a de la tension, où il n'y a pas de certitude, où il y a une saison qui était pourrie l'année dernière et qui continue en ce début de saison. Donc, ça rassure personne. Et moi, si je suis joueur et que j'ai le choix, ben, je ne suis pas sûr de vouloir aller à Saint-Étienne. Et ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Alex. Merci beaucoup, Sylvain. Merci beaucoup, Karl, d'avoir été avec moi pendant cette émission. Merci, bien sûr, à vous qui l'avez suivi sur le chat en direct sur Twitch. Merci aussi à vous qui nous avez écouté en podcast, que ce soit sur la radio des Verts active, que ce soit sur YouTube ou encore sur les plateformes de podcast. Je vous laisserai avec cette grande phrase d'un grand penseur qui dit « Ne vous inquiétez pas, la roue tourne, va tourner. » Et on se dit à la semaine prochaine pour débriefer la victoire face à Valenciennes. Bonne semaine tout le monde, salut. Allez, salut à tous.